C'est une compagnie de 150 hommes de l'armée béninoise qui a fini sa mission au quartier général de la force multinationale mixte de lutte contre la secte Boko Haram. Elle est honorée par le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Mamanou, chef de mission de la force multinationale mixte, et de tout le staff qui a pris part à cette grandiose cérémonie. Des médailles d'encouragement leur sont remises pour la mission accomplie. La troisième compagnie béninoise, forte de 150 hommes, s'est vue récompensée d'une médaille de la force mixte multinationale et d'une autre de l'opération Yassine Tafki. Durant son mandat, cette compagnie de l'armée béninoise a exécuté sa mission avec honneur et fidélité dans cette force. Il convient de rappeler que depuis son arrivée à N'Djamena le 24 octobre 2018, elle a fourni un service important de soutien à la force et à l'équipe de soutien de l'Union africaine. Les médailles et certificats de la force multinationale mixte sont d'une importance morale, capitale et décernée à tous les grades en reconnaissance du service rendu à la force multinationale mixte, raison pour laquelle elles sont décernées à tous les personnels des contingents des pays membres de la CVLT en fin d'émission.